One and Only Nyungwe House is the setting. I think it sits in the most magical rainforest that one can ever see. So you see, it sits on a stunning tea plantation with the backdrop of the rainforest, which is just incredible and magical. And you can actually see the wildlife roaming on the property. And one thing that we also do talk about, which is quite key, sustainability. So what we've done is we actually own the land where the tea is grown, and we've given that tea plantation back to the local community. So that is how they actually make an income. L'hôtel travaille beaucoup sur sa connexion avec la communauté locale. Ces plantations de thé qui vont effectivement être travaillées par la communauté locale, envoyées à une usine de traitement juste à quelques centaines de mètres de l'hôtel. Voilà, vous êtes vraiment complètement dans un lien fort avec la population. The connection between the hotel and the local community is very strong, as they benefit both sides. We do tea tasting with our guests. We go to the tea factory to see how the tea factory is processing tea, and we tell them how wonderful, amazing tea is, how this Nyungwe, how all this area about tea plantation. We talk about tea tasting from leaf to cup. We give them tea basket. We go to our field. We pick tea. Those are activity we do here to just relax. When the guests are here, and here to relax. This is a Camellia sinensis, the botanic name of our tea. So our tea has to be picked every 11 days. What we pick is only street top young leaves. As a street top? This is street top young leaves. Use your finger like this. Okay. Your two finger, uh-huh. I want you to have a bunch of tea leaves in your hand like me. L'Afrique, c'est évidemment aussi les safaris. Voilà. Et ici, vous avez une version assez particulière du safari. Ici, vous allez voir les singes. Et notamment, à Nyungwe House, les chimpanzés. Donc en fait, on se promène dans le parc avec un guide. Lui, son objectif, c'est de vous faire aller à la rencontre des chimpanzés. Donc en fait, on est sur un petit chemin et puis tout à coup, il dit « Allez, on descend et on suit le guide qui vous fait rentrer dans la végétation, sous les arbres, vous passez entre les branches. Et là, tout à coup, vous pénétrez en plein milieu d'une famille de chimpanzés. » C'était spectaculaire, une des plus belles expériences de ma vie. Être en plein cœur de cette population de chimpanzés et de les suivre remonter la montagne, ça vaut le voyage. Et l'hôtel propose toute une série comme ça de découvertes. Les chimpanzés, ce pont suspendu incroyable au milieu de nulle part et qui vous apporte des frissons garantis. Thank you.
Et puis vous avez ce lancer de javelot, le tir à l'arc. On pourrait dire, bon, lancer de javelot, tir à l'arc, pourquoi? Parce qu'ici, ça fait partie fondamentalement de l'histoire du pays, à travers toute une série de choses, et encore récemment, bien entendu, la chasse et le javelot, même comme challenge local entre familles, comme un peu comme un sport pratiqué entre différentes personnes. Donc le javelot, le tir à l'arc, on va apprendre ici comment le faire. The archery is a really fun game. And the simple way of doing it is the standing position. If you are standing well, you are already on target. The following thing is, when you are stretching, you do not stretch toward your chest. You stretch toward your ear, like this. Then you raise. Mm-hmm. This very is good not shot. Bad. This is not bad. The only thing missing is stretching more. Ah, okay. Yes. I will stretch more. Yeah. I'll try. Okay. Mm-hmm. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est que vous avez vraiment un lien, une connexion qui se fait avec la destination, avec la population locale qui est exceptionnelle. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment frappé. Vous voyez, par exemple, hier, tout à coup sont venus des danseurs et des chanteurs de la communauté locale, des gens qui sont dans les villages voisins et qui viennent vous proposer leur chant et leur danse traditionnelle. Et j'ai été totalement subjugué. La chef Louise, cette chef est assez extraordinaire, donc elle est venue s'installer ici. Elle a un long historique et une expérience dans différents lodges en Afrique. Elle vient d'Afrique du Sud elle a voulu avoir un jardin potager juste à côté de l'hôtel, contre l'hôtel, et dans lequel elle fait pousser des fleurs comestibles, des herbes, certains légumes. This is what we call our chef's garden. Mm-hmm. And we've So it's your garden, basically. It's my garden. And so I actually work in the garden myself, and I plant a lot of the seeds and things. And we do use, but we use everything in this garden, all the flowers included, are edible. So that's amazing. All the dishes you are making are kind of pieces of art, so they are full of colors everywhere. Yes. So it's very different from what you are used to see elsewhere. Yes. So this idea is coming from you, of having a lot of colors, flowers. Yes. Yeah, because I think it just adds so much to your plate. And the vegetables and the fruits you are using, are they coming from Rwanda, all of them, or majority of them? I think there's two types of fruit that's imported. Hmm. The rest of all our fresh ingredients comes from Rwanda.
Avocados, you can see how massive they are. It's an avocado? Yes. But that's not the one we usually see in Europe, for example. Mm-mm. I mean, look look how big this one is. But does it have the same taste or is it different? Yeah, it's probably even more delicious. Wow. So big. So. Il y a une émotion ici, vous avez une connexion avec tout ce qui se passe autour de vous. C'est un éveil des cinq sens permanents et vous êtes dans un pays qui est profondément attachant.